Eureka! Nous allons voir ensemble comment poncer des volets métalliques. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. De papier abrasif grain moyen et fin. Des tréteaux. Une ponceuse excentrique. Une ponceuse d'angle. Un masque de protection. Des lunettes de protection. Un aspirateur. Un tournevis. Un marteau. Et de la graisse. Première étape, préparer les volets métalliques. Posez le volet ouvert sur deux ou trois tréteaux. Deuxième étape, poncez le volet à l'aide d'une ponceuse. Deux types de ponceuses sont adaptées aux surfaces métalliques. La ponceuse excentrique, équipée de disques circulaires pour les surfaces planes du volet. Et la ponceuse d'angle pour un ponçage dans les surfaces non planes. N'oubliez pas de vous équiper du masque et des lunettes de protection. Pour procéder au ponçage du volet, fixez le disque abrasif grain moyen sur la ponceuse excentrique et poncez toute la surface métallique. Puis, montez un disque de papier abrasif fin et poncez les deux faces des vantaux de la même façon. Troisième étape, effectuez les finitions avec la ponceuse d'angle. Poncez tous les endroits que vous n'avez pas pu atteindre avec la ponceuse excentrique. Utilisez les papiers abrasifs de grain moyen, puis fin, et poncez les deux faces des vantaux de la même façon. Soignez particulièrement les loquets et targettes. Quatrième étape, dépoussiérez le métal. Retirez d'abord toutes les poussières avant d'appliquer la peinture sur le volet. Utilisez un aspirateur en insistant sur les rainures, les angles et les persiennes. Cinquième étape, graissez les gonds. Introduisez un tournevis dans le gond, puis chassez-le de la charnière en frappant avec le marteau. Appliquez ensuite une pulvérisation de graisse en bombe et remettez les gonds en place. Pour finir, peignez le volet. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.